Bismillah ar wa rahmatullahi Dans cette vidéo, on va voir la séance 4, exercice 3, sur les fonctions majorées, minorées, bornées, avec une interprétation euh, graphique, rappel de cours, toujours dans le chapitre 2, généralité sur les fonctions. Donc l'exercice 3 comporte 3 exercices sont indépendants. Le premier exercice, euh, soit F défini sur R par F de x est égal à 1 sur moins 1 sur x, on va montrer que f est majoré par 1 sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Deuxième exercice, la fonction g définie par r par g de x est égale à moins 2 plus 1 sur x carré plus 1. On va montrer qu'il est minoré par moins 2 sur r. Et la fonction h définie sur r moins le singleton a par h de x est égal à x sur x plus 1. On va montrer qu'il est minoré par 0 et majoré par 1 sur r plus sur l'intervalle 0 plus l'infini on va en déduire que h est borné sur euh, 0 plus l'infini. Donc, premier, premier exercice. Montrez que la fonction f définie sur f étoile par f de x est égale à 1 moins 1 sur x, il est majoré par 1 sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. D'abord, un petit rappel. Euh, on dit que f est majoré sur i avec euh, une partie de df, si et seulement si il existe un réel m tel que quel que soit x appartenant à i, f de x inférieur ou égal à m. Donc, si I est et domaine de définition tout entier, on dit que F est majoré. Et M s'appelle un majorant de F. Et tout nombre réel supérieur à M, lui aussi, euh, c'est un majorant de F. Donc, montrons que F est majoré par 1 sur l'intervalle ouvert 0 plus infini. C'est équivalent à montrer que, quel que soit X appartenant à l'intervalle 0 plus infini, F de X inférieur ou est égal à euh, 1. Donc pour montrer que f est majoré par 1 sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a deux propositions qui sont équivalentes. On va montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f de x inférieur ou égal à 1. Donc on va prendre x, soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, euh, ça veut dire que x est strictement positif, et on va montrer que f de x est inférieur ou égal à 1. Donc on va utiliser la règle a inférieur ou égal à b est équivalent que b moins a, elle est positive. Donc, on va chercher le signe de 1 moins f de x. On calcule 1 moins f de x est égal à 1 moins 1, moins 1 sur x, sur f de x. Donc, est égal à 1 moins 1 plus 1 sur x est égal à 1 sur x, qui est positif car x est positif. Donc, on a quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x est inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire que f il est majoré par 1 sur euh, 0 plus infini. Donc une interprétation graphique, donc le ce, euh, le graphe ou bien la, la courbe représentative de la fonction f, on voit que la partie de la courbe représentée sur l'intervalle ouvert 0 plus infini, elle est au-dessous de euh, la droite d'équation y est égale 1, la droite qui est en rouge. Donc graphiquement, signifie que la partie de la courbe de f sur l'intervalle ouvert 0 plus infini, elle est au-dessous de... La droite, d'équation y est égale à 1. Deuxième exercice. Soit g, la fonction définie sur R par g de x est égale à moins 2 plus 1 sur x carré plus 1. Donc on va montrer que g est le minoré par moins 2 sur r. Un petit rappel, f est le minoré sur i et une partie de r. Si et seulement si il existe un réel m tel que quel que soit x appartenant à i, f de x supérieur ou égal à m. Si i est df, df tout entier, on dit que f il est minoré et que m est un minorant de f. Et tout réel inférieur à m, lui aussi est, à, est appelé minorant de, de f. Donc on va montrer que g il est minoré par moins 2 sur R. Si I seulement si, on va montrer que quel que soit x appartenant à r, g de x est supérieur ou égal à moins 2. Donc on va prendre x appartenant à r quelconque. Et on va montrer que g de x supérieur ou égal à moins 2, toujours on va montrer que euh, le signe de g de x moins moins 2, il est positif. Or, g de x moins moins 2 est égal à moins 2 plus 1 sur x carré plus 1, moins 2 plus 2 est égal à 0, donc est égal à 1 sur x carré plus 1, qui est strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, le g de x est supérieur ou égal à moins 2, d'où euh, g est minoré par moins 2 sur R. Graphiquement, on a ici la courbe représentative de la fonction g sur r. Donc, g est minoré par moins 2 sur r. Ça veut, ça veut dire que la courbe CG, elle est au-dessus de la droite d'équation y est égal à moins 2. La droite y moins 2, donc, se trouve au-dessous de euh, la courbe CG. Donc, graphiquement, ça signifie que CG est au-dessus de la droite d'équation y est égal à moins 2. Pour le troisième exercice, on va montrer que h qui est défini sur r moins le singleton a par h de x est égal à x sur x plus 1 est minoré par 0 et majoré par 1 sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire sur r ⁇ Donc après, on va déduire que h est borné sur r ⁇ Donc premièrement, on va montrer que h est minoré par 0 sur r ⁇ c'est-à-dire on va montrer que quel que soit x appartenant à r ⁇ le h de x est positif. Or, si on prend un x, dans l'intervalle 0 plus infini, ça veut dire que x est euh, positif. Et on sait que h de x est égal à x sur x plus 1, qui est positif, car x il est positif, numérateur, dénominateur positif, ça veut dire que h de x est positif. Donc, quel que soit x appartenant à r plus, le h de x est supérieur ou égal à 0, d'où h est minoré par 0 sur r plus. Donc pour montrer que h est majoré par 1 sur r ⁇ on va montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus infini, le h de x est inférieur ou égal à 1. Toujours pour montrer que h de x est inférieur ou égal à 1, il faut montrer que 1 moins h de x il est positif, quel que soit x appartenant à 0 plus infini. Donc soit x il est positif, on va chercher 1 moins h de x, le signe de 1 moins h de x. On va calculer 1 moins h de x est égal à 1 moins x sur x plus 1. Dénominateur commun, c'est x plus 1, on obtient x plus 1 moins x, le x moins x s'en va, reste 1 sur x plus 1, qui est positif, car le x, il est positif. Donc, quel que soit x appartenant à r plus, le h de x, il est inférieur ou égal à 1. Ça veut dire que h, il est majoré par 1 sur r plus. Donc, déduction, on va déduire que h, il est borné sur r Donc, d'après la définition, F est borné sur I et une partie de, de F, si et seulement, euh, si seulement si, F est majoré et minoré en même temps sur euh, sur I. Or, on a d'après ce qui précède, H est minoré par 0 et majoré par 1 sur R. Ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, le G de X il est compris entre 0 et 1. Ça veut dire que H est borné sur R. Donc graphiquement. Si on, prend, euh, si on voit ici la courbe représentative de la fonction euh, h, la partie de Ch sur R ⁇ c'est cette partie, donc c'est cette partie, on voit que que la partie de Ch sur R ⁇ elle est entre les deux droites, la droite d'équation y est égale à 1 et la droite d'équation y est égale à 0 qui est l'axe des abscisses. Donc h est borné sur R ⁇ par 0 et 1, graphiquement, signifie que la partie de CH sur R ⁇ est située entre les deux droites d'équation y est égal à 0 et y est égal à 1. Donc, pour l'objet de la prochaine vidéo, c'est la comparaison de deux fonctions avec les interprétations graphiques, euh, sous forme d'un exercice. Euh, qui va comporter trois exercices qui sont euh, indépendants. Donc essayez de faire cet exercice. On se verra dans la solution, dans la prochaine vidéo. Charles. Et merci.